bonjour, bienvenue sur PC avec Date Dead Space 2, pardon. Alors en fait, je vous dis ça parce que je l'ai acheté sur Steam, mais une poignée de figues, quoi. Et puis là, comme j'ai installé Windows 8 plutôt sur un portable en customer preview, hein, vous pouvez le faire, c'est gratuit. En fait, comme ce jeu apparemment ne passait pas sur 8, je l'ai donc activé parce que je l'avais acheté. Donc je l'ai activé. Et là, je suis en train de voir et d'admirer que ben, c'est pas mal du tout. Hein. Moi, j'ai un dual core AM3 avec 2 gigas de RAM, une carte ATI 4890 HD, 1 giga. Et voilà quoi. Et donc une carte mère, je sais pas si 1 gigabyte, un truc comme ça. Et pour l'instant, ça a l'air d'être sympa. C'est qui, ça m'échange ou pas? Oh putain, il va me tuer lui. C'est le début, hein, donc je fais juste le début. Les sujets clés doivent tous être éliminés, écoutez, abandonnés. Et quoi d'autre? Écoutez-moi. Et à quoi bon? Écoutez-moi. On peut s'en sortir tous les deux. Vite, enlevez-moi cette camisole. Personne ne sort d'ici vivant. Personne. Il faut se fracasser, lui. Hein. C'est un rigolo. Il n'y a aucune issue à ce que j'ai fait. On se calme, d'accord. Ressaisissez-vous. Bon, ils sont rouges. Bien rouges. Chacune de soi a une torche dans ce casier. Vous avez qu'à les prendre. Il est bizarre, ce mec, hein. Je me rappelle plus. Allez-y. En fait, parce que je l'avais acheté sur Xbox. Prenez. Et je l'ai pas. J'en ai plus besoin maintenant. Comment dire, je l'ai revendu parce que voilà. Quoi? Ouais. Je l'ai revendu et puis voilà, je suis resté comme ça quoi. En fait, je devais le vendre et puis je me suis dit que je n'allais pas rejouer dessus. Et en fait, là sur Steam, je l'ai vraiment eu pas cher mon jeu. Hein. Pendant les promos là. Je l'ai acheté parce que même si je l'avais déjà, je l'ai acheté. Il y a d'autres jeux que j'avais acheté, hein, là. Il y a d'autres jeux que j'ai acheté en double aussi, hein, style Just Cause 2. J'ai d'autres jeux comme ça où en fait je les ai sur PC sur Xbox. Et ouais, bah c'est tout. Déjà, d'autres jeux, mais bon. Exemple GTA, je l'ai sur les deux. Il y a des jeux comme ça où en fait. Ben, tout dépend. Soit GTA, c'était parce que ben il fallait avoir il faut l'avoir sur PC aussi. Et ce jeu-là, ben, c'est parce qu'il n'était pas cher. Voilà. Je l'ai eu pour le prix d'un DLC Xbox, quoi, un truc comme ça. Voilà. Clark, Isaac Clark, c'est bien vous? Non, je suis Père Noël. Je suis là pour vous sauver. Hein? Alors, vous pouvez remarquer que, bon, ça vous connaissez le jeu, hein, mais. Vous l'avez contracté, voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à la version Xbox, il est plus fluide, hein. Plus rapide d'accès et plus fluide. Hein. Pourquoi vous faire confiance? Ce n'est pas moi qui vous tire dessus. Merde. Suivez la voie que j'indique. Voilà, je me suis connecté avec mon identifiant. Mon mail que je dis sur Xbox, mais bon, aussi je sais pas ce que ça a apporté, mais en tout cas voilà, donc on peut noter voilà. Et j'ai pas une config de fou en PC, hein, mais tous les jeux que j'ai, tous les jeux, hein, actuellement je les joue en fait, donc voilà. Alors, je sais pas si la lampe s'use, je m'en rappelle plus. Un traceur, oui, RS, ouais, c'est vrai, il y a un traceur, je me rappelle de ça. Et je me dis là que bon, j'avais pas activé parce que j'ai des tonnes de jeux entre la Xbox, la PS3, le PC, l'iPad et la Vita. J'ai une tonne de jeux, c'est un truc de fou, mais c'est ma passion, hein, donc voilà quoi. Donc j'ai pas le temps. Des fois, j'achète un jeu, j'ai pas le temps de le finir. Je commence et puis le problème avec ça, c'est que ben on commence plein de jeux, on les finit pas. Donc là, j'ai une armada de jeux à finir, en fait. Là, je sais pas où je vais. Est-ce que je vais là ou pas? Non, là, c'est de là d'où je viens.
aller à droite. Tiens, il y a des cadavres. C'est bien flippant en tout cas, hein, comme truc. Fusée LT, ouais, j'ai compris ça. Ah, à mon avis. Ah non, c'est bon. Ok. Ah, il n'y a vraiment pas de lumière, je me rappelais pas que c'était à ce point-là. Noter les différents petits sons autour. Donc là, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il a un mode survie, un mode comme ça, donc c'est pas mal. Ça prolonge la durée, quoi, en fait. Hein. Et un mode multi aussi. Je veux dire, je sais pas où je vais, hein, donc je suis complètement paumé là. En plus, il fait noir, mais. C'est par là. Il est presque midi, on est presque ok avec ce truc. Ok. Bon, c'est pas pour vous présenter le jeu, hein, c'est juste pour vous dire que les configurations pour avoir ce jeu sont celles que j'ai décrites. Précédemment, voilà. Après, j'ai pas de. Il faut se mettre à jour. Il faut avoir un Windows légal aussi. Voilà, parce que si vous n'avez pas un Windows légal, et ben, vous n'irez pas loin dans les mises à jour, etc., etc. On va sauvegarder. Donc ça, c'est important. Et j'ai Windows 7 aussi. Hein, voilà, entre autres, hein, qui avantage grandement les périphériques, quoi, les composants plutôt. Je vais mettre un peu de son et je vais me taire. Oh là. Ouais, donc, enfin voilà, le plus flagrant là dans le jeu entre la Xbox et le PC, c'est qu'il est plus fluide. Voilà. La netteté, je m'en rappelle plus, honnêtement. Je m'en rappelle plus trop. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rien changé aux configurations de jeu. Hein. J'ai lancé et j'ai exécuté, enfin, enregistré, exécuté, lancé. J'ai rien fait de plus. Un poil plus rapide que Mass Effect 3 dans le personnage. Un poil plus rapide, je trouve, ayant fait la démo. Voilà. Équivalent ou plus rapide, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous donner un ordre de jouabilité. On peut pas sortir là ou quoi? Je dois faire quoi, moi? Ouais, d'accord. Ah, il y a un truc là. Ah, il y a genre un QTE, non, c'est pas ça. Cool. Appuyez sur B pour attirer les objets, d'accord, ça marche. Ok. Ça marche. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas emmener les objets dans un autre. C'est hallucinant ça. Ouais, je me rappelle de ce truc là. Ça n'a pas changé apparemment. C'est-à-dire que vous êtes dans une pièce, vous pouvez pas emmener un objet dans l'autre pièce. C'est pas prévu. Je fais quoi là? D'accord. Ah, je dois tirer. Ah oui, j'ai compris. Je dois prendre un truc et une vitre en fait. Oh
oula. Dégage. Je l'ai empalé. C'est excellent. C'est quand même marrant comme truc, c'est bien foutu. Ça là on peut, mais il y a certains endroits où on peut pas. Vous emmenez un truc, comment on appelle ça, appuyez sur, ouais non c'est bon. Vous emmenez un instincteur, ben j'avais fait le truc, hein. Et ben il disparaît quoi, voilà. Mais c'est pas très grave, hein. Je veux dire c'est pas open world non plus, hein. C'est pas un open world. Connaissez pas, en même temps ça vous confondra un petit peu le jeu. Je vais avoir des problèmes là. Bien stressant ce truc. Là, il a fallu que je casse un objet pour en retirer les bouts de fer pour tuer les autres là, pour les empaler en fait. C'est quoi ça? Ok, c'est un crédit. Ouais, parce que vous pouvez upgrader après. Hein. Après, il va se mettre un scaphandre, hein. Je m'arrêterai au scaphandre d'ailleurs, à la protection. RB pour fouiller les cadavres. Ah oui, c'est vrai ça, c'est bien ça. Ah oui, on donne des coups, carrément. On donne des... Je me rappelais plus en fait. Hein. J'ai fait le 1, j'ai terminé d'ailleurs. Elle me paraît louche, mais je sais pas pourquoi. Non, je croyais qu'il était en vie. Il devrait ranger un petit peu, là. Voilà. Je peux pas, j'ai rien. Je peux même pas t'aider, mon gars. Sauvez-moi. Ils sont tous partis. Ah, c'est fermé, il y a des trucs qu'on peut pas ouvrir en fait. Calme, je vais vous sortir de là. Parle. C'est un scalpel laser? Un cutter plasma? Oh mon dieu! Oh non! Il va être coupé en deux! Vite! Trop tard! Qu'est-ce que
Ben voilà, on récupère le cutter plasma. Alors je sais plus comment on le... Voilà, c'est bon, c'est ça. On l'oriente comme ça en fait. On peut donc couper les jambes, c'est conseillé d'ailleurs. Et après on peut couper les membres, parce qu'il vit encore. Hein. Voilà, là on coupe la tête. Voilà, on peut noter que la tête reste... Voilà. J'en ai que 3, on n'a pas beaucoup d'armes dans le jeu, donc faites attention, fin de munitions. Voilà, pareil, je vais couper la tête. Voilà. Il est très très bien rodé ce jeu parce que en fait l'arme avec le fait office de torche aussi en même temps, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment un très très bon jeu. Moi j'aime bien. Pourquoi je l'ai revendu, aucune idée. C'est vrai que j'avais peut-être besoin de sous voilà, pour un autre jeu, donc du coup. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai ça fait une pierre de coups, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris sur Steam. Parce que déjà d'une, je le trouvais quand même pas mal à la base. Bon, à l'époque, j'avais vendu parce que je voulais autre chose. Mais en plus, le prix, quoi. Donc, les deux choses font que... Je sais, on s'est déjà rencontrés. Essayez de rester en un seul morceau. Chouette. Vous voyez, elle a disparu en fait. C'est ce niveau-là en fait. Voilà, c'est ce niveau-là, exactement ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai ici, je prends une bouteille, j'arrive là, regardez, hein. J'arrive ici, je fais ça, et elle disparaît. C'est pas beau? Voilà. Moi, à ce niveau-là, je dis, c'est une honte. Voilà. C'est honteux. Dans un jeu comme ça, où on a peu de ressources et tout, c'est honteux. C'est pas grave, mais c'est un peu la honte, quoi. C'est à partir, disons que c'est un truc qui m'a fait dire oulala. Voilà, et je trouve ça dommage. On est quand même dans des univers un peu confinés. Il y a pas mal d'objets, on peut pas les utiliser, enfin disons qu'ils disparaissent, il faut arrêter quoi. Genre là les mecs, c'est ça, ça a pas été super testé quoi, c'est pas possible qu'un type teste ça et ne fasse rien. Donc ça a pas été testé. Marrant ça. Écraser le corps et couper la tête. Ah, y a peut-être un truc à faire là, non ? Je m'en rappelle plus. Non. Ah. Bon, on va où ? Parce que là. Ok, ça marche. C'est une bonne idée d'avoir fait ce truc là, parce que. Commence un peu à se perdre. Ok, par là-bas. Ah, le contexte audio est magnifique, hein, par contre. Hein, c'est... Même les lumières et tout, hein, les effets sont très très bien. Je m'en doutais un peu. Sale bête. Oui, c'est nettement plus rapide. Hein. C'est nettement plus rapide que la console. Hein. Pas de soucis. Hein. Pas de soucis. Hein. Ça se voit. Ça se voit sur le mouvement du perso. Quand je fais ça, quand j'ai ouvert les portes aussi d'ascenseur, tout ça,
Je m'en suis aperçu. Et les menus aussi, quand vous arrivez sur un ordinateur où en fait vous accédez au menu interne. Et là, j'ai vu que c'était plus rapide. Graphiquement, c'est bien, hein, y a pas de souci. Hein. Okay. On doit aller où là ? Ok. Bon, je vais continuer un peu, mais après je vais stopper. Hein. Tiens, ça, je prends. Donc en fait, les crédits. Si j'appuie sur Select, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, j'ai un petit menu interne qui me permet de voir quelle arme j'ai, etc. Donc RB, là, il me dit le journal si j'ai pris des trucs. Et je peux upgrader aussi inventaire, et pas ici, hein, je l'upgraderai sur des bornes en fait. Ah, des caissons, il y a des trucs dedans. Ouais, des caissons, je me rappelle de ça. Ah, c'est pas foutu comme sur Xbox en fait. Tiens, encore un bug. Ah non, je croyais. J'avais le caisson qui me suivait en fait. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, il y a un truc là. Je vais recharger parce que. Hein. Tiens, je vais prendre une nouvelle arme, je pense. Dans le jeu aussi, hein. Donc, exemple. Et tout là. Attends, il est malin lui ou quoi par ici? Ah bien sûr. Ouais. Déjà, vos indications sont nazes. Il y a plusieurs sécurités. Je vous ai dit que vous brouillez, c'est pas possible. Hey, j'ai pas besoin de votre aide. Viens, on va voir. En mode normal là. Dana, ok, c'est bon, j'ai besoin de vous, répondez. Isaac, on ne se connaît pas, vous et moi. Mais quoi qu'il en soit, on doit s'entraider. Tideman est votre ennemi, pas moi. Bon, j'ai trouvé un chemin. Bien. Où est-ce que je suis, là? Comment cette épidémie a pu se déclencher? Vous êtes préoccupant, une lune de Saturne. Quant à l'épidémie... Merde! Thank you.
Ah, j'ai une pastille. Ça me part. Un point de force en fait. Ça ressemble à un galet, hein, tout simplement. Et en fait, ce truc-là vous permet d'upgrader votre. La monnaie, c'est ça en fait. C'est les points de. C'est pas l'espèce de pastille là qui permettent de. De capsules, on va dire. Qui permettent d'upgrader les armes. Et d'en acheter aussi. Ouais, la musique et tout, enfin je veux dire, c'est bien, c'est ni trop ni pas assez, quoi, c'est très bien. C'est jamais. Ça, regardez. Je testerai aussi certainement I'm Alive, que j'attends ici là en ce moment, on est mercredi aujourd'hui, donc j'attends de le télécharger pour l'acheter en fait, hein. Certainement je vais l'acheter à mon avis, c'est quasiment sûr. Des quatre jeux XBLA, dans l'ordre d'intérêt, c'était I'm Alive, Alan Wake, Warp, qui est pas mal finalement. Et le dernier qui est une daube, qui s'appelle Nexus, qui est en fait c'est même pas une copie, mais les maps sont petites, il y a 5 maps, on peut jouer à 8 sur la map. Franchement, Unreal Tournament 3 fait 100 fois mieux, quoi. Et au même prix quasiment, puisqu'en fait c'est un ancien jeu qui fonctionne très bien, et voilà quoi. Donc là, je passe ici, donc là, je dois pirater un truc à la façon de... Alors, je sais plus comment ça... Voilà. Oh là, je suis d'accord. Ah, je dois pirater un autre, d'accord. Ah, je pars ici. Je m'en rappelle plus, en fait, hein, normalement. Je vais essayer. Ok, ah, c'est bon là. Encore. Oh, ça devient pénible. Hein. Ah bah je suis mort, tiens. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais pas le pirater, je vais continuer comme ça. On va pas passer 20 ans là-dessus. Okay. Les checkpoints sont pas trop mal faits, ça va. Ah d'accord. Ah oui, ça doit... Stase, c'est un truc de stase en fait ici. D'accord. Bon, je vais essayer une fois et puis ça marche pas, tant pis. Hein. Allez, je vais essayer une fois et puis on verra bien. Tant pis, on va arrêter là. Voilà, c'était Dead Space 2 sur PC, sur Steam. Si vous avez profité de l'offre, tant mieux pour vous. Dans le cas contraire, eh bien, c'est la vie. Allez, à bientôt.